La mouette, Steven, jaune, Nero jaune. On t'a jamais présenté la mouette encore. S'il vous plaît, les gars. On va faire un petit. Ah bah, on va le choper après. On va faire une petite présentation. Tout de suite, s'il vous plaît, les gars. IB jaune, il faut aller en chercher un là-bas rapidement. Clément, tu prends un orange. Donc voilà, voici la mouette. Donc ça, c'est pour les abonnés. Non, mais maintenant, les abonnés vont savoir, la mouette, ils savent que c'est toi. Nouveau visage du Vince KFC. Parce que quand j'étais petit, je faisais technique d'agilité. Du coup, on m'appelait la mouette. Et que du coup, à Deauville, en fait, il s'est juste fait un petit caca dessus sur son t-shirt tout propre. Voilà, donc du coup, tout le monde l'a appelé la mouette, c'est resté. Et du coup, célébration mouette hein, quand tu marques. Il paraît que tu deviens fort au foot quand tu portes des X. Ouais, c'est vrai. Merci Adidas. On reprend, j'en ai clairement conscience. Me demandez pas d'être un petit peu indulgent avec vous, je le serai pas. Qu'on commence ou pas, je le serai pas. Donc ce que je veux, c'est vraiment que vous leviez la tête. Quand le ballon il arrive, ça évitera de faire des contrôles inutiles. Mon premier match amical dimanche. Ah, j'ai hâte. Ouais. Bah, je vais avec les nouveaux, tout ça. On a une grosse équipe. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois que le niveau a augmenté déjà? Ouais, déjà. C'est plus intense les entraînements, tout ça, mais bon. On fait plus de passes? Ouais. Plus de passes, plus de mouvements, tout ce que tu veux. Alors la reprise? Muy difficile. Muy difficile? Ah pardon. Lo siento. Ça pique hein? Ouais. Ouais, mais ça fait du bien. Premier match amical ce week-end? Ouais, premier match amical. Non, c'est bien. On va faire 3 mi-temps de 30 minutes. Faire jouer tout le monde. Même moi là, de toute façon, je peux pas faire. Même une mi-temps de 30 minutes, c'est mort. Mais ouais, ça va faire du bien. Déjà là, c'est cool. Là, on a du monde et tout. Observation. 4 équipes, c'est cool. Situation simple, très basique, qu'on connaît tous. On va toucher un peu la balle, reprendre des sensations. Venir chercher Arthur, viens vers moi. Viens vers moi, ici. Paf, tu vas venir toucher. Tu vas venir toucher petit en une, tu t'orientes, petit revient vers moi pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, t'as commencé ta course là-bas. Tranquillement, vous venez passer derrière moi. Ah, okay. Il va y avoir des couplets que vous allez venir chercher à une bonne intensité. Là, Sam's, le ballon il est là-bas. Une fois qu'on aura contourné, on vient chercher. Je veux pas qu'on me fusille les gardiens. Donc déjà, les ballons comme ça ici, c'est vraiment le dernier carat. Les ballons doivent arriver dans cette zone. Sam, tu restes là. Votre tête, vous allez être fatigué quand vous allez arriver dans le match. Levez la tête, prenez les infos comme on l'a vu là, parlez le moins possible. Là, on arrive en fin de séance. Toutes les paroles, comme je vous le disais, peuvent être tout de suite mal interprétées et nocives, surtout quand elles ne servent à rien. Ah, je lui ai dit ici, t'inquiète. Nathan, tu vas aller là-bas, va là-bas, t'as pas le droit de changer de groupe par contre. Hein. Sinon, c'est deux de plus pour tout le monde. Genre là, c'est les tarés là. Ouais. Et là, c'est les muggers. 2, 1, allez, c'est parti, les gars. Pas pour la première. C'est la sensation là, vous allez pleurer quand vous allez voir la coupelle. Même quand tu cours. Ventile. Bon, comme la tradition le veut, je viens t'interviewer une fois que t'es bien mort. Toujours après les 15-15. Ça va? Bah ça va et toi? T'as passé de bonnes vacances? Ouais. Bah moi aussi, c'est super. Et toi, bon 15-15? Ouais, oh, putain. Non, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais il y a un bon rythme. Hein. Franchement, là, les petits nouveaux, que ce soit dans les jeux ou là, sur dans le physique, à chaque fois, ça se donne à fond. Donc, faut les suivre, hein, parce que sinon, on va sauter. Donc,
Voilà, on donne tout, ça fait plaisir en tout cas. Là on va jouer. On va jouer et ça on l'a pas beaucoup fait la dernière. Là on est 21 joueurs. Donc, attention, on a fait des 55. Ouais, ou des 4 contre 4 même parfois, attention, ouais, on a fait. Non, c'est trop bien, en culture d'entraînement avec un grand jeu pour tout le monde, ça va permettre de prendre des jambes, mais avec le ballon, là on a fait un peu de fractionné, 5 minutes, 7 minutes je crois aujourd'hui dans la séance. Le reste c'était que de l'assimiler, enfin de l'intégrer, pardon, excuse-moi, je suis fatigué. De l'intégrer ou que du ballon, des courses de footballeurs, des mouvements de footballeurs qu'on a intégrés avec la prépa. De nos jours, ça se fait beaucoup et c'est plus agréable pour nous. On est en D4, on va pas se raconter l'histoire. Pour préparer le match de dimanche. Ouais, c'est ça, premier match, on va essayer de prendre un peu de foulée, un peu tout le monde va prendre les appuis, tout ça. Donc, on joue contre qui dimanche alors? On joue contre Gagny B. Ça va être intéressant, c'est une D3, première en R3. Donc il y a quelques joueurs qui vont redescendre, ils vont avoir quand même leur coach. Ça va être intéressant, puis c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, même cool, tu vois, donc c'est un bon premier match pour prendre les jambes. Je sais pas qu'est-ce qu'il t'a raconté, tu sais, il aime bien faire le mec, utiliser des termes techniques, tout ça, là. Je trouve qu'on l'a pas assez mêlé. La tête d'homme reprise, il nous fait courir comme des... Ouais, frère, on joue au foot, on joue pas, on n'est pas des chevaux de course, ma gueule. Il y a pas un bleu dans l'équipe. T'es malheureux avec son t-shirt, mais t'es malheureux, tiens-le. Ouais, voilà, nous on se met quand même, on se met quand même. Croix, il est fort. Bah, le goumé, wesh. Aujourd'hui vous êtes 20 joueurs, ok, la plupart vous avez fait la prépa depuis le début, j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que comparé à l'année dernière ça vous fait du bien. Du coup aujourd'hui ça va jouer en 3 mi-temps de 30 minutes, ok, je vais vous donner la première équipe qui va démarrer, ok, j'ai déjà les 3 mais je vais vous donner la première équipe. En pointe, il va y avoir Ryan à gauche. Nathan Villa à droite, Nathan Darbonnel en 10, Cam en 6, Shems et Titi à gauche, Vincent, les centraux IB et Nero et à droite Emir et au goal Herman. Bon, premier match amical et vous avez vu, petite tenue neutre, toute simple. En fait, là pour l'instant, il va y avoir des nouveaux maillots cette saison. Je crois que Vinska, il a pas encore dit et il est pas là pour le dire, du coup j'en profite. Il va y avoir des nouveaux maillots cette saison parce qu'il y a un nouveau partenaire cette saison qui va être au niveau du maillot. Je vous laisse la surprise, Vinska va l'annoncer, je ne sais pas comment. Mais du coup, on a ces petits maillots là, vraiment, juste, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, c'est juste pour les matchs amicaux. Et les autres sont en fabrication, ils sont en train d'être floqués, ils sont en train d'être faits. Et vous allez avoir la surprise très très bientôt. On vous prépare un bon truc avec Raphaël et tout pour la présentation. Et on vous dit ça. Et là, on va jouer pépère. C'est match amical, petit maillot discret et on s'occupe de ça. Bon Elvis, comment tu vas? Bien. Premier match là? Ouais, c'est le premier match. Tu te sens chaud? Ouais. Donc là, il y a eu la reprise des entraînements et tout ça. Ouais. Pas trop dur? Non, ça va. Bien? Je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais ça va pour le moment. Ok, bon, tranquille. Et t'as été à Deauville? Ouais. Ouais, c'était cool? Ouais, c'était cool. À part les blagues. Ah, il m'a dit. Du réveil. Il m'a dit du bril. Du matin là, c'était pas. C'est le bizutage. C'est sûr ça. Ouais. C'était obligé. Bon grand, ouais. Reprise. Reprise, ouais. T'es chaud? Ouais, très très chaud. Hein. Très très chaud. On a passé une bonne semaine d'entraînement. Ouais. On a bien travaillé. Donc normalement d'être au pire. Taper des mains. Comme ça, toi, t'es le premier ancien que j'interview là. Ah ouais, t'as fait que des nouveaux là? Ouais, j'ai fait que des nouveaux. T'es obligé pour que les gens les connaissent. Bah oui, un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a les gens aussi qui veulent voir des anciennes têtes aussi. Ouais, c'est vrai. Surtout que j'étais fort en fin de saison, j'ai regardé. Ça commence. Bon, tu sens comment le match? Bah bien, il fait beau. Moi, j'aime pas trop la chaleur en vrai. Le sol est venu d'un coup là, c'est un peu relou, mais en vrai, il fait beau, faut profiter. Là, on est beaucoup, ça veut dire que ça va beaucoup tourner, etc. Après, à voir comment les nouveaux ils jouent, si on arrive à s'adapter avec eux. Ils sont là pour prendre notre place, donc il faut montrer que on est toujours là. C'est ça, hein. Faut prouver. Hein. Ah, c'est ça, faut prouver. Enfin, est-ce que. Non, on est là pour s'amuser, oui. En fait, tu vois. Après, ouais, faut prendre du plaisir, mais je pense que tout le monde a envie de jouer. Après, c'est bien, ça va amener de la compétition pour tout le monde, etc. Et du coup, à voir. T'as pas levé la tête.
Allez, 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 les bleus, direct dedans. C'est
parce qu'en fait vous faites les mêmes appels. Vous arrivez et tous les deux vous êtes au même endroit. Alors que quasiment tout le temps, c'est Raïm à l'intérieur qui touche pour aller vers l'avant. Ce que fait, c'est qu'il faut que vous vous dédouanez de ça. Là, pendant maintenant, dans cette physionomie-là, vous deux, là, vous allez vers l'avant. Et vous, attention à vos appels. Hein, et vous laissez Raïm toucher. Parce que lui, Raïm va toucher, se retourner. Comme et sur la dernière. Voilà, exactement. Et généralement, Raïm, quand il est là, dans la disposition de la dernière action, la balle arrive. Paf, il va trouver toi et toi. Okay. Tu finis. Il y a pas mal de bonnes choses. Hein. C'est pas mal. Hein. Pas mal. Alors, dites-vous quelque chose, c'est que c'est le premier match de la prépa. Là, niveau cardio, on n'est pas tous à 100%. Et je pense qu'il n'y a personne qui est à 100%. Ok. Donc, attention au pas que vous faites, à ce que vous demandez à votre coéquipier. Si vous lui demandez d'être à 100% et qu'il ne l'est pas, ou vous savez qu'il ne peut pas l'être, ça ne sert à rien de lui envoyer un parpaing devant ou autre. Ok. Jouer avec le cardio qu'on a, les qualités qu'on a pour l'instant. Okay. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tout le temps leur défenseur central qui relance et il va très haut. C'est-à-dire que quand on récupère vite la balle, il y a tout le temps un trou dans l'axe. Donc soit les ailiers prenaient le trou, soit moi j'y suis, mais c'est-à-dire qu'on peut, aller directement vers l'avant quand on a la balle. Ouais, et après on peut y aller. Elvis, quand tu fais la passe à Paul, passe derrière lui après. Non, tu dois lui remettre, Paul, il fait tout à l'envers. Joue, bonhomme. Et juste avant, il y avait Elvis tout seul, mon polo, quand on bascule sur toi. Oui, bien joué ça. C'est lui. Thank you.
Encore, venez les deux. Allez bleu. Les gars, doit faire but ça. Juste pour jouer, fais des choses simples, prends, utilise ton pied un petit peu. Fais ton pied. Non, allez pas. C'est un match de prépa. Donc si tu forces, ça ne sert à rien. Parce que si tu te pètes là, tout ce que tu as fait depuis le début, ça va servir à rien. Les gars, il faut que vous parliez. Là, Paul, t'as rien à faire là. Monte devant, t'as rien à faire là. Et c'est pas ton problème. C'est à moi de l'encadrer, c'est pas à toi. Monte, Paul. Paul, ouais. C'est son joueur, c'est pas le tien. Toi, t'as ton taf devant, laisse-le. Ah, là, c'est ton taf. Quand t'es en doublure de Paul. Allez. Arrêtez pas les gars. Titi, la ligne gars. Il est fort Elvis. Ça faute. Je suis là. Ça faute. T'as joué Elvis. Là doucement derrière. Gibson. Allez, lève la tête. Paul, t'es trop derrière. Va devant. Paul, Elvis, il arrive à aller plus devant que toi. Tu dois pas être là normalement. T'arrives Nathan. Allez, le retour, travaillez dans la tête.
Encore, encore. On est de la tête. Oh, numéro 10, il est blessé là, qu'est-ce qu'il fait? Défonce tous les deux. Oh, Chris! Cam! Pas le coaching aussi. Bien joué, dame! Bravo, messieurs! Premier match, première victoire, petit amical pépère, tout le monde a pu jouer, petit nouveau ils ont marqué. Il y a eu 3 buts de Nathan, mais c'était 2 Nathan différents. Donc c'est cool. C'est cool d'ailleurs, il est où Nathan? J'avoue, c'est pas le même gabarit, non, mais voilà. C'est le prénom qui compte. Double Nathan. Prénom qui compte. Du coup, on a eu 3 buts en 2 Nathan. Vous faites le calcul chez vous. C'était comment? Un triplé de Nathan, si vous voulez. C'était comment? Moi, ça a fait du bien. Franchement, au début, c'était dur parce que c'est la reprise un peu. Mais après, on s'est adapté. C'était lourd. On s'est adapté, c'est venu petit à petit. Mais Nathan, moi, c'est dur, ça. En fait, t'as 10 minutes de grâce. Genre, ouais, c'est ça. En vrai, je reviens de blessure. Moi, je me suis blessé. Dire, ça fait 6 mois, j'ai pas joué là à peu près. J'abuse. Peut-être 4. Et c'était très dur physiquement, mais après dans le jeu, ça va. Pourquoi tu t'échappes? Ça marqué. Ça dépend de toi. C'est Nathan qui les corps. C'est la connexion. Ça c'est Chams aussi, ouais. Vous allez le voir souvent normalement. Hein, c'est s'il se blesse pas et s'il nous lâche pas en hiver, parce qu'il a une tête à nous lâcher en hiver. Non, pas du tout. Moi, je serai toujours là. Toujours là pour le BTFC. Bon, vas-y, tchuss les gars.